leaving tonight and I'm not coming back, kid. My fate is tied to a monster from the depths of time. Oceanhorn. I hear its horrible sound echoing from the sea. It is coming for me again. This is all happening sooner than I thought, and I am forced to act. Whatever happens next, I'm not going to lose you like I lost your mother. This necklace is the last thing left of her. Keep it close and guard it well. I will give you my old notebook from my travels. It will guide your way to an island of a friend. He will help you to prepare for what is coming. I know I'm asking too much of you, but this is the only way to stop Oceanhorn. Wake up. The time has come. Salut à tous, c'est Brady. Alors on se retrouve sur Oceanhorn, Monster of Uncharted 6. C'est un jeu d'action-aventure développé par Cornfox et Bros, édité par FDG Internement. Il est sorti le 14 novembre 2013. Et donc il y a un seul mode, hein, c'est un mode solo. Vous pouvez le retrouver sur Nintendo Switch, sur Android, sur PS4, sur iOS, sur Xbox One, sur PlayStation Vita. Allez, on va le tester, on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, il y a le 2 qui est sorti. Alors, il s'appelle Oceanhorn 2 Knight of Lost Realm. Désolé, hein, je parle pas très bien anglais. Allez, c'est parti. Ce qui est étonnant, c'est qu'on peut pas sauter. Moi, j'ai pas trouvé. Moi, je pense pas. Je trouve une clé. J'ai essayé de l'avoir, mais...
Alors pour l'instant, franchement, les graphismes, c'est pas top top. Les musiques sont plutôt sympas. Même le perso, je le trouve pas vraiment bien bien fait. Pour l'instant, on a juste un bâton. Alors j'espère que ça va s'améliorer. Casse-tête assez logique. Hein. Allez, j'ai trouvé une clé. Je pense que c'est celle qui ouvre la porte. En hauteur là, ça a l'air d'être quand même un problème. Hein. On va pas l'avoir. Ouais, ouais. J'abandonne. Il veut pas. Tu as trouvé le pendentif de ta mère. Ça n'a pas l'air d'être un colis ordinaire. D'accord. Ah, un bouclier, une épée, c'est déjà mieux. Après, c'est des petits donjons comme ça, ça peut être sympa. Déjà c'est mieux. Hein. Voilà, c'est de la douche. Je savais bien que j'avais oublié des trucs.
C'est bizarre qu'il y a que ça. Oh, il y avait un truc là. D'accord, je me suis trompé de côté. Trouver l'épée et le bouclier de ton père. Mais comment as-tu fait? Tu n'étais censé les avoir que bien plus tard. Que dis-tu? Le pendentif de ta mère s'est mis à briller. Comment ai-je pu être aussi bête? C'est l'un des symboles de l'ancienne Arcadie. Suis-moi, je vais te raconter quelque chose. A long time ago, these islands were the mighty kingdom of Arcadia. The Age of Enlightenment led Arcadians to outstanding scientific discoveries. Engineering and magic ran deep in their blood. A foul war began as Dark Lord Mesmeroth, who had once been a promising candidate for an Archmage, led dire folk armies to a war against Arcadia. With the aid of his dark magic and the direfolk, Mesmeroth dug deep into the ground and brought to daylight something that should have stayed in the depths of the earth. Tryloth, a mass of dark energy left over from the creation of the world. Black boats arrived to the gates of Arcadia, carrying the dark energy Tryloth. Soon the light from the world and from the hearts of men faded. The once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, three sea monsters appeared. One of them was Oceanhorn. Oh, it is a vile creature, born under the dark burning light of Tryloth. Although all of these monsters were powerful, only one has survived up to this day. Oh, it is getting late, kid. Return to me in the morning. Donc, histoire plutôt classique, hein, qu'on a l'habitude de jouer à ce genre de jeu. Après c'est mignon quoi, c'est pas du gros jeu d'aventure mais c'est quand même mignon. Alors on va farmer un petit peu. En tout cas avec l'épée déjà c'est mieux hein, franchement. Avec la nuit, ils sont plus agressifs les monstres.
crois que je pourrais pas beaucoup faire plus pour farmer. Old scriptures tell about sacred emblems, relics that hold the power of gods. Their purpose was to maintain the balance of the world, but they lost their power in the catastrophe, at the same time as Oceanhorn appeared. I believe that was no coincidence. To unravel the mystery of Oceanhorn, you must find out what happened to the sacred emblems. Here is what I know of them. The emblem of Earth that belongs to the Aru people is hidden in the Perta Desert that was once a vast and beautiful forest. Most of its beauty withered along with the Aurus, wise and fearless bird people. The emblem of Ocean belongs to Gilfolk, the people living in the waters of the world. Emblem of Ocean is a relic of their long past glory and former power. The emblem of Sun was the pride of Arcadia, a symbol of hope and determination for our kind. I will tell you more about it later. It is time to begin your journey. Seek the sacred emblems. This is the only way to get to Oceanhorn and find out what happened to your father. J'ai récupéré une clé. On va aller fouiller un petit peu chez lui. Donc voilà les amis, bah ce petit test va s'arrêter là. Alors que dire de Oceanhorn, Monster of Uncharted Sea? Bah c'est un petit jeu d'aventure plutôt sympa. C'est sympatoche, ça
casse pas des briques. En même temps, il est de 2013, donc on lui pardonnera. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il est sur pas mal de supports, hein, comme Nintendo Switch, Android, PS4, iOS, Xbox One, PlayStation Vita. Donc ça, on peut y jouer à beaucoup de, sur beaucoup de plateformes. Et puis bon, franchement, je me tâte, mais j'essaierai bien le 2. Hein. Ocean Horn 2 Knight of Lost Realm. Tente bien de voir un peu l'évolution du deuxième. En tout cas, celui-là, c'était le premier. J'espère que ça vous aura plu. Bah, en tout cas, je vous le recommande. Hein. Franchement, c'est un petit jeu qui peut vous passer les longues nuits d'hiver. Et puis bah sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, puis bah je vous dis à bientôt. Allez, salut !